dernier, quand Holly Van Dunk avait raté son avion dans notre ville. Bien sûr qu'on s'en souvient. Il est venu au parc aventure faire du skate avec vous. Cette escale improvisée a marqué l'histoire du skate à jamais. Votre histoire est la sienne. C'était la première fois que je réussissais un flip 4000. Le parc aventure est devenu mon parc de skate porte-bonheur. Et demain, Holly Van Dunk sera de retour. Il essaiera de réussir le fameux catch 3000. Il mettra la même ambiance extraordinaire que l'année dernière, avec le même public de fans inconditionnels. Regardez, c'est moi. Et là, c'est moi. Oh, tout a été filmé, c'est génial. Seuls ceux qui étaient présents l'année dernière auront la chance de participer demain à cette journée spéciale. Ouais. Qu'est-ce que t'as? J'y étais pas l'année dernière. Si, tu y étais. J'étais malade. Ah oui, t'avais une vraie fièvre de cheval, je m'en souviens. Il faut pas que je sois malade. Je dois aller voir Holly Van Dunk faire sa démonstration de skate. Désolé, Angelo. J'ai raté cette journée une fois. Il est absolument hors de question que je la loupe une deuxième fois. Inscrire mon nom sur la liste des invités. Angelo, pourquoi est-ce que je me trimballe ce truc exactement? Parce qu'Arthur est en train d'écrire les noms de tous les invités. Parfait, voilà ce qu'on va faire. Vous deux vous faites diversion en parlant avec lui pendant que je rajoute mon nom sur la liste. Arthur est un fan de pêche ou quoi? Non, ça c'est pour moi. Vous avez ça. J'ai préparé une liste de différents sujets pour votre conversation. Comme si on en avait besoin. Allez, en avant. Bonne pêche. Salut Arthur. Salut. Si je te dis chocolat, à quoi ça te fait penser, Victor? À l'île de Pâques. Ah, pourquoi? Et toi, Arthur, ça te fait penser à quoi? Je sais pas, mais je vois pas le rapport avec l'île de Pâques. Allez, j'y suis presque. Allez, allez, ça y est. Bon, écoutez, les copains, je suis occupée, alors si vous avez rien d'autre à me dire... Bon, bah, est-ce que tu préfères... Attends, qu'est-ce qu'Angelo a écrit, là? Son écriture est illisible. Vous allez bien, tous les deux? Alvina, tu es la plus belle fleur qui ait jamais poussé sur la terre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une lettre d'amour, pas la liste des invités. Oh, c'est dégoûtant. Salut Arthur, on est bien sur la liste de Van Dunk, hein? Oh, bouge pas, je vérifie la photo de l'année dernière. Non, il a pas de liste, il a une photo sur son portable. Ça y est, vous y êtes. Je compte sur vous pour être pile à l'heure au parc aventure. Holly n'est pas superstitieux, il est hyperstitieux. Si on veut qu'Arthur croie que j'étais vraiment là l'année dernière, 3 points sont indispensables. Le premier, être présent dans le souvenir des gens. Le deuxième, être présent dans leur mémoire. Et pour le troisième, il faut que je sois présent dans leur cœur. Bien, monsieur le génie, et que proposes-tu pour arriver à ça? Pour les souvenirs, c'est simple. Lola, ta mission, c'est récupérer la réplique exacte de la casquette et du badge officiel au centre commercial. Ça devrait te prendre 2 heures. 2 heures? C'est un peu juste. Vous ferez quoi, vous deux? Moi? Du skate? Pourquoi Victor ne fait pas les courses? Parce que j'ai besoin de lui et de sa caméra. Désolée. 2 heures? Oh, croûte! C'est bien parce qu'on est amis. T'es prêt? Oui, chef. Qu'est-ce que tu veux que je filme? Tu te souviens du garçon au sweat marron sur la vidéo? Carrément. Je vais faire croire à Arthur que c'était moi. Pardon? Ben oui, je vais rentrer un dark slide. C'est ça ton plan? Rentrer un dark slide? C'est une des figures les plus difficiles au monde et tu sais pas la faire. Et on est censé être au parc aventure dans 2 heures. Justement, pas de temps à perdre.
incroyable. Tu l'as presque réussi, Angelo. Il nous reste 20 minutes. On va devoir tricher. Tu crois qu'on peut faire du montage? Probablement. Tu sais quoi, Victor? T'es un génie. Oui, je sais. Je sais. Bon, allez, on y va. Lola doit déjà être arrivée. Tu me sauves la vie. Tu n'imagines pas à quel point ça a été difficile. Hé hey! Oh! Qu'est-ce que... Elle est voilà. Toute neuve. Non, elle l'était. Maintenant, on dirait que ça fait un an que je la porte. Alors, c'est quoi la suite? C'est l'heure de vérité. Tu veux dire que c'est l'heure du mensonge? Non, on peut dire ça comme ça. Attendez, je vérifie. Alors, Victor, c'est bon. Lola, toi aussi. Angelo, Angelo. Ah, désolé, mec, t'es pas sur la photo. Allez, c'est bon, Arthur. C'est évidemment que je suis pas sur la photo. C'est moi qui l'ai prise. Je sais pas. C'est parti pour la phase 1, s'immiscer dans les souvenirs. Je suis désolée, Angelo, mais j'ai des consignes. Oh. Je dois laisser entrer que ceux qui sont présents sur la photo. Je peux rien faire, mon pote. Mais j'ai le badge et la casquette exclusive de l'année dernière. Qu'est-ce qui me dit qu'un de tes copains t'a pas donné sa casquette et son badge? Oh. Oh. Mais tous ceux de l'année dernière les ont encore, ils n'ont donc pas pu les lui donner. Ah. Angelo, t'es pas sur la photo. Maintenant, phase 2, s'immiscer dans les mémoires. Ce sera facile, Victor et Lola m'ont raconté en détail ce qui s'est passé l'année dernière. Bertrand François, dis-lui, toi, que j'étais là l'année dernière. Moi? Oui. Tu te souviens quand t'as fait tomber tes clés devant la rampe de skate et qu'Olly Van Dunk a failli te renverser? C'est vrai, j'avais complètement oublié. Manetti, tu te souviens quand t'as sauté du haut de la rampe pour aller battre ton score au punching ball? Si je m'en souviens, d'habitude, je me souviens de rien, mais ça, je m'en souviens, c'est toujours mon meilleur score. Ah. Et toi, Johan? Tu te souviens de la nouvelle figure que t'as trouvée? T'as sauté par-dessus la barre en jouant à Lapin Mutant 5. C'était le 6. Mais bon, on ne va pas chipoter avec ça. Angelo était avec nous l'année dernière, Arthur, c'est évident. Même moi, je commence à me demander s'il y était ou pas. Ça fait carrément peur. Donne-lui une chance. C'est l'un des nôtres. Ouais, laisse-le entrer. Désolé, Angelo, je peux rien faire. Mais Arthur, sois cool, mec. Ta mauvaise tête. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Maintenant, la phase 3, s'immiscer dans les cœurs. Ça va, ça va. Bon, je suis pas sur la photo, mais si on me voit sur la vidéo, ça devrait suffire, non? Tu te souviens du garçon qui fait un dark slide sur la vidéo? Eh ben, c'était moi. Tout est là, sur mon fidèle ordi portable. Arrête! On ne voit jamais ton visage. Et t'es capable de faire un dark slide, toi? Allez, c'est carrément impossible. Impossible n'est pas Angelo. Magneto, Victor. L'ordi portable vient de rendre l'âme. Maintenant, on a un problème. Très bien, Angelo. Alors, écoute-moi bien. Tu réussis un dark slide ici, maintenant, devant moi, et tu entres. Ouais, ouais, je te fais ça. Pas de problème. Ça coûte rien d'essayer. C'est vraiment dommage, Angelo. J'ai compris. Amusez-vous bien, les copains. Bien joué, mon pote. T'étais vraiment à deux doigts de réussir cette figure. Oh, Olly est arrivé. Et il a vu Angelo. Je vais te montrer comment faire. Et tu vas voir, dès ce soir, tu feras un magnifique dark slide. Hé,
Le petit est avec moi. Il va me porter chance. Je le sens. Ouais. Croûte de croûte, il a réussi. Rien ne m'étonne. Tu vois, petit homme, pour être un vrai skater, un vrai de vrai, pas juste un touriste, tu vois, ou un frimeur, ton corps et ton skate doivent être comme...